Et c'est reparti pour les boules. Allman qui saute, Donnie Yen qui en tire. Petit mix-up sur le safe jump. Safe jump raté qui se prend un flash kick. Petit zoning de la part de Danyan, Danyan qui fait les boules, toujours des boules. Et la furie pour gratter, c'est bien joué. Ouais, on commence par des boules. Le Gaël qui tente un shot au kill mais c'est trop loin, c'est dommage. Ah, flash kick raté. Le safe jump réussi mais la punition qui est complètement ratée. Le petit shot au kill sur le trade, encore une fois shot au kill. Hahnemann qui a pris pas mal d'avance, c'est bien joué. Il reste loin, il continue de jouer le but. Il s'en prend une par mégarde, mais c'est pas grave. Petit saut en avant, ah, le BMK qui touche. On est reparti pour le but, bien joué, le gros point un petit tatsu. Gaël qui tente le... Ah, c'est bien, Gaël est dans le coin. Il peut plus rien lui arriver, là il n'y a plus de temps. Oh, oh la chope qui passe, c'est dommage. Un partout. Merde. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est reparti pour un tour de boule. La skiki se fait péter par Tatsu. C'est parti pour les chops. Ah, il tente pas le safe jump. Il préfère tenter les mix-up. Ah, bien joué. Bizarre par contre, ça va pas tuer. Ça devait pas être loin du coup. Donc du coup, c'est reparti pour les boules. Ah, la boule qui touche là. Hein. Et le shot au kill qui vient finir le round. Bien joué de la part de Hahnemann. Le chariot de la part de Damian. Reversal shot de notre ami Hahnemann. Finition à la balayée du chariot. Hop, le saut gros pied qui touche. Le Sonic Boom qui touche. Bon, Hahnemann a une avance assez confortable. Si joue safe, ça devrait le faire. Oh, bien joué. Le flash kick pour finir le Tatsu. Le bon cap, ok. Voilà. C'est bien joué, il est patient. Shot kill qui touche. Ah, pas d'entière sur ce coup, c'est dommage. Et la boule qui vient en finir avec l'ami Donnie Yen. Bien joué, Hahnemann. Un grand champion. Ok, on est parti. White Summer contre Rapper Tuguay. Allez, on est parti. Alors, bon bah, avantage pour Rapper Tuguay avec sa griffe. Le chop trouvé dans le coin. Ouais, il y a des vents derrière. Ça va être compliqué. Ah, c'est airshop. Devant, derrière, devant, derrière. C'est devant. C'est derrière. Ah là là, la mise au sol. Double perfect. Premier match gagné pour Rapper Tuguay. Eh ben, ouais. Ça ne perd pas, ça prend sa vraie couleur. 1-0 pour Rapper Tuguay. Alors, pas parfait cette fois-ci. Ça bloque dans le coin. Ça trouve pas les entières. Belle balayette. Ça fait dragon.
Oh, petit point, petit passe très étrange. Ah, super. Ouais, super, malheureusement, très difficile à contrer sans la charge. Et balle de match pour un portugais. Allez, youhou. Allez, Raportugia, il est en forme aujourd'hui. C'est son dernier ranking à la dose pour au moins un an, parce qu'après il part au Japon s'entraîner. Et ça fait super, perfect. 2-0 pour Raportugia, bien joué. Le prochain match, c'est quoi? Mitsu Mister Niam. Allez, on est parti, nouveau match. Mitsu qui va jouer sa Chun-Li blanche contre Mr. Miam avec son Guile. Allez, monsieur, bon match. Salut, boule d'entrée. Kiko Ken qui passe. Ça se balance des plectiles. Oh, très belle entière de monsieur Miam. Ça cherche les Banka. Chaque côté. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, la chope qui est trouvée dans le coin. Voilà. Ça a eu la chance qu'il passe balayette puis son flash kick. Un beau shuttle kill. La super de Chun-Li qui vient gratter, mais c'est pas suffisant. Kikoken qui passe. Ah oh là 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 là, il les trouve. Le air to air, premier round gagné par monsieur Miam. Bon, gambit d'ouverture très classique, boule boule. Déjà avantage à la vie pour monsieur Miam. Allez, il a confiné Mitsu dans le coin. Pas pour longtemps peut-être. Ah, flash kick qui vient remettre Mitsu dans le coin. Une chop, German suplex. Sonic Boom qui met au sol. Un bon MK pour dire ferme ta gueule. Ah, ça se tue au BMK de chaque côté. Waouh. Ça n'avait pas été contré en entière. Allez, Mitsu peut revenir. Une super qui vient gratter. Ça serait étrange. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, flash kick. Ah, belle entière de monsieur Miam qui peut enfin souffler. 1-0 pour monsieur Miam. Alors, est-ce que Mitsu va counterpick? Il a le droit. Il va peut-être prendre son. Voilà, il va prendre son Old Sagat. Parce que Mitsu est un sac. Et il a raison. Il a raison. C'est pas interdit d'être un enculé. Allez, Tiger, Tiger. Allez, faut mettre la garde hein, contre les Tiger. Hein. Des fois, ça vaut mieux que de s'en prendre deux dans la gueule. Ah, au niveau jeu de boule, ça va être compliqué pour monsieur Miam. Il essaie d'approcher, mais il prend des BMK. Une chope qui est trouvée, malgré tout. Oh, ça a essayé de choper dans le coin, mais ça a whiffé. Ah, elle est passée. Allez, Mitsu, mais balance un bon gros Shoryu des familles, là. Ah là là, ça tue. Mal de match pour monsieur Miam. Allez, Mitsu, faut qu'il se réveille. Il a le match-up hein, avec son Old Sagat. Faut juste qu'il arrive à faire quelques Shoryu bien placés et tout se passera bien. Oh, c'est pas passé loin. Ah, oh, flash kick dans le vent. Il n'y a pas eu de punition malgré tout. Mitsu devrait jouer avec ses boules. Il a l'avantage, il a un meilleur jeu de boule que monsieur Miam.
Toujours balle de match pour Monsieur Miam, mais... Peut-être que cette fois Mitsu va... Oh, c'est... C'était assez étrange. Et ce gros pied de Old Sagat qui est complètement craqué. Voilà, enfin un Tiger Unplugged. Tiens, on relève. Voilà, deux qui sont passés, qui arrachent la barre de Monsieur Miam. C'est un 1-1. Va-t-il y avoir un counter pick? Et non, il garde son Guile fidèle à lui-même et il a raison. Il faut avoir des principes dans la vie, pas comme Mitsu. Allez, round 1. Un très beau flash kick qui a été trouvé là-dessus. Ça ne punit pas Tiger qui fait beaucoup de dégâts. Ah, il va y avoir un petit pressing avec les Tiger, shot. Oh là 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 là, ce Tiger uppercut qui vient faire très très mal au guide de Monsieur Miam. Il faut pas qu'il se laisse décourager. Ah là là là, c'est très compliqué de sauter sur ce Old Sagat qui a enfin trouvé son Shoryu. La deuxième round. Balle de match pour Mitsu. Tiger, Tiger. Ah, pas de Shoryu. Allez, Monsieur Miam peut le faire. Oh, ah là 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 là, ce Shoryu qui vient toucher au bout du pixel et qui enlève 20% de barre. Allez, Tiger shot. Ouais, gros pressing avec les boules. Le jeu de boules de Sagat est vraiment très très, très fort de toute façon. Ouh, ça a pas chopé, mais pas loin. Ah non, il va pas se laisser avoir, Mitsu. Il connaît maintenant. Voilà, Soria, gros pied. Victoire de Mitsu. Prochain match, c'est qui? C'est Tom Combo Fate. Tom Combo Fate? Kimono Rashkov, ok. Tu sais que t'as, au cas où, hein, t'as la fonction swap, hein, tu peux déjà rentrer les noms, tu sais. Ah, les, ok, d'accord. Les inverser, ouais. C'est bien parti ça. Oh oui, méchant. Alors on est parti. Kenono Honda contre Rashkov qui sort son Ryu. Le match-up est pour Rashkov. Mais Kenono a l'habitude de ce match-up. Il faut pas qu'il sait savoir. Ouais, joli saut gros pied. Il faut qu'il s'inspire de ce que fait Shogatsu. Voilà, parfait. Premier round gagné pour Kenono. Allez. Ouais. Gros avantage à la vue. Pour Kenono qui vient mettre Ryu dans un coin. Et ah là là, ce saut gros pied qui fait vraiment le café. 1-0 pour Kenono. Il va y avoir un counter pick. Non, il garde Ryu, il a raison. Il a le match-up. Allez Rashkov, tu peux le faire. Ah dommage, pas de punition là-dessus. Allez, une mise au sol et dans le coin pour Kenono. Un avantage à la vie. Oh là là, le Doskoi qui vient casser. Oh là là, ça va être très compliqué pour Rashkov de revenir dans ce match. Qui a presque plus de vie et elle a mis le main qui gratte. Allez, balle de match pour Kenono. Allez, il faut qu'il zone Rashkov. Faut pas qu'il perde la face. Ah, presque. La balayette qui est pas passée, mais... Il a un avantage à la vie. Ça y est, il prend du poil de la bête. Il commence à zoner un peu mieux. Voilà, parfait. Ça, c'était bien joué. Faut pas qu'il sait s'approcher. Ça va être compliqué, il s'est remis dans le coin. Non, mais il en est sorti, il en est sorti. Voilà, Tatsu
pour contrer. Oh, il a pris Doskoï à la relevée, dommage. Ah, les super qui a été évité par Kinono. Qui va tenter son pressing dans le coin. Ça, pour le moment, ça marche. Oh là 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 là. Le saut gros pied de Ryu qui vient le sauver. Encore une balle de match pour Kinono. Et c'est parti. Oh là là, ça, il commence à lui mettre des grosses phases dans la tête. Oh là, c'est trop compliqué. Oh là là, le perfect. Il a pas su remonter le match. Victoire de Kinono, 2-0. Prochain match, Tom Combo Fate, c'est ça? Ok. Alors, très inhabituel, Tom qui sort son Old Sagat contre Combo Fate qui joue son nouveau perso, le Old Sagat. Un beau match miroir qu'on n'a jamais l'habitude de voir en rocking la dose. Ah, c'est parti. Alors, ouais, ça s'échange des Tigers dans tous les sens. Il y a eu des phases un peu bizarres sur des sauts. Petit pied, je suppose. Ah, le gros HK qui vient zoner. Avantage à la vie pour Combo Fate. Oh là là là, c'est saut HK qui viennent remonter la barre. Allez, ça se regarde, ça se change des Tigers. Allez Tom, te laisse pas faire. Oh là 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 là. Ah là 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 là, ça. C'est très bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qui va gagner? 8 secondes. Oh là 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 là, non, ça veut pas se tuer, ça veut pas se tuer, ils veulent pas se tuer, ils veulent pas se tuer. Ah là 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 là. Donc c'est une victoire de Combo Fate pour ce premier round. Beau HK dans la tête. Donc ça fait les Tiger Nick qui whiff. Mais c'est pas grave, ça chope, ça met Tom dans le coin avec les Tiger Shots. Il trouve quand même une ouverture. Allez, faut y aller, faut y aller. Dommage, c'est saut au gros pied Tiger Uppercut qui font vraiment très très mal. Ça va être compliqué. Voilà. Oh, 2 HK Tiger Shot Stun. Allez. Voilà. Allez Tom, te laisse pas faire. Tu l'as bien eu, tu l'as stun. Il n'y a pas de dragon de côté de Combo Fight pour le moment. Ça va peut-être venir. Allez, ça s'échange. Des Tiger Shot. Voilà. Joue avec les boules, t'as raison. T'as l'avantage à la vie, Tom. Tu peux continuer. Oh là, saut HK bien trouvé. Belle balayette, un Tiger Shot qui passe. Oh, le saut HK. Victoire de Tom. 1-0 pour Tom. Allez, Combo Fate. Il faut qu'il se ressaisisse. C'est son nouveau perso à Combo Fate. Il faut qu'il arrive à... qu'il arrive à trouver de bonnes options. Qu'il découvre son personnage. Il peut le faire. Un match miroir. Il a les mêmes clés que Tom. Ça se déba... ça s'échange des gros HK dans la tête. Voilà, soit HK de la part de Combo Fate. Il va essayer de rendre la monnaie de la pièce à Tom. Qui arrive tout le temps à balancer ses sauts HK. Hein, c'est incroyable. Peut-être que Combo Fate n'est pas habitué à la hitbox de son Sagat. Je ne sais pas. Allez, Combo Fate. Oh là 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 là. Ce Tiger Uppercut qui n'a pas touché. Et pourtant, Dieu sait que... Tom était proche de prendre la tête. Voilà, Tiger. Avec un... Oh là là, il a... ça y est, le pressing de Combo Fate, il est là. Il l'a mis dans le coin. Oh, il prend les sauts HK, mais il le redonne bien. Voilà, sauts HK stun, c'est bon, victoire de Combo Fate. C'est la balle de match pour Tom, cela dit. Il faut qu'il se ressaisisse, Combo Fate. Il faut qu'il leur fasse ce même match. Voilà, Tiger Uppercut pour casser le Tiger Uppercut, c'est parfait. Voilà, sauts HK pour Combo Fate. Ah, c'est beaucoup de sauts HK dans ce match, c'est incroyable. HK entière, c'est bien. Voilà, ça se trade. Globalement, les points de vie sont à peu près à égalité. Ah là là, oh, le Tiger Uppercut qui fait si mal. Victoire du Combo Fate. Allez, Tom. Te laisse pas faire. C'est bon. Il garde son All Sagat également.
On va vraiment avoir du coup un match noir plus long. Ouais, il se passe des choses bizarres qui weave dans tous les sens sur cette ouverture de match. Ouais, ça s'échange des sauts HK dans tous les sens. Joli HK entière de la part de Combo Fate qui ensuite arrive à revenir dans le match et prendre l'avantage. Oh là là là, encore un saut HK, puis Tiger Cut bas, Tiger Shot je vais dire. Allez, balle de match pour Combo Fate, faut que Tom se ressaisisse. Il peut le faire. Oh, c'était un saut petit point, je m'attendais pas à ça. Ouais, ça essaye de se mettre la pression en tout. Mon Tiger Nick qui vient. Avantage à vie pour Combo Fate, mais non, c'est rattrapé par une balayette de Tom. Oh là là, Tiger Uppercut, il vient remettre les scores à zéro. Oh là là, ça s'échange dans tous les sens. Ils sont à zéro de vital pratiquement tous les deux. Oh là 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 là, il a pas mis la garde. On me dit que si. Ah, la victoire de Ronan, Combo Fate 2-1. C'était un match très tendu. Alors, Vigor Zargat. Ouais. Vigor contre Zargat. Donc, Chun-Li Kami, normalement, si tout va bien. Trafique les arbres. Ah, on m'a dit dans l'oreillette qu'il trafique les arbres. Zargat trafiquerait les arbres. Alors, il prend sa Chun-Li Zargat, il a raison. Mais son Honda reste quand même très solide. Allez, c'est parti. Bon match, monsieur. Un Kikoken qui passe. Oh là 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 là, c'est, ça sort des combos 3 hits. Une air shop bien trouvée. Oh là là, c'est imperfect pour Zargat sur ce premier round. Il faut que Vigor se ressaisisse. Il peut le faire, il peut le faire. Quelques hooligans bien trouvés pourraient peut-être. Ça prend Kikoken. Spinning Bird qui n'est pas puni. Spagnolaro qui sert à rien, ça va être compliqué. C'est compliqué, gros avantage à la vie pour Zargat, il met une super pour se rapprocher au bout de l'écran. Ah là là, une chop qui est trouvée. Kikoken, allez la chop, ah là là, perfect. Double P non, c'est un double P pour Zargat. Il récite ses combos. Allez Vigor, tue-le. Allez, mille pieds en ouverture. Allez Vigor, ça y est, qui commence à trouver des ouvertures. Ah mon dieu, mais là, par contre ça, Zargat aussi on va trouver quelques-unes. Trop d'avantage à la vie. Mais Vigor revient dans le match. Ah il s'est pris un gros pied. Spagnolaro qui vient gratter, mais c'est pas safe. Et voilà. Balle de match pour Zargat. Faut toujours le faire. Allez, deuxième round. Wouah, c'est ça qu'on veut voir, hooligan. Ah il faut que ça puisse. Ah, dommage, il est un raté sur la finition du Spinner Kid. Ah ouais. Airshop, oh là 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 là, de 8 stuns. Et il vient de tuer Zargat. Allez, Zargat, faut pas qu'il se laisse avoir maintenant. Faut pas qu'il se repose sur ses acquis. Ne récite pas tes combos. Ah, il a essayé la même gambit d'ouverture. Ça a whiffé malheureusement. Ah, bon zoning de Zargat. Il va pas essayer de se laisser faire avoir. C'est bon, il est bon. Une petite claque dans la gueule, histoire de dire m'approche pas. Spagnolaro qui n'est pas safe et il n'a pas eu la garde sur cette super victoire de Zargat. 2-0. Match suivant. Ok. Allez, on va enchaîner avec Blackmane versus Hanman.
Allez, on va avoir Black Mane versus Ant-Man. Prochain match, ça sera Cooney Cuse. Tu peux choper Cooney et Cuse, s'il te plaît. Excuse-moi. Tiens, si tu veux venir. Si ça t'intéresse de voir un peu. En fait, en gros, on diffuse sur internet et on commente les matchs comme des commentateurs sportifs en fait. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ouais. Ok, bah tu connais un peu ce type de monde là. Ok, bah je retourne au... Allez, désolé pour l'interruption, donc vous avez Ant-Man qui va jouer Guile face à Black Mane Zangief. Allez, une fois que le Guile a pris son premier hit stun, ça commence à devenir dangereux, mais sinon, dès que Guile reprend ses distances, c'est mort. Allez, bonne balayette trouvée par Black Mane, dommage, pas de 3-6 derrière cette balayette. Ouais, bien joué ça. Bon air to air et le 3-6 qui a raison de la barre de vie de Ant-Man. 1-0. Enfin, premier round pour Black Mane. Félicitations. Dans un match-up pas évident, bien sûr. Ah, dommage, il rate son 3-6. Mais finalement, c'est en sa faveur puisque il y avait eu un reversal flash kick de la part d'Ant-Man. Allez, bonne balayette. Black Mane, il joue bien là. Ouais, bonne balayette à nouveau, il encaisse beaucoup trop de balayettes Ant-Man, faut mettre sa garde là, un peu de panique en défense. Allez, là c'est bien, bon anti-air. Là il reprend l'avantage, il prend le contrôle du milieu du terrain. Un bon Sonic Boom, là c'est quasiment fini. Encore un ou deux Sonic en grattage et ça sera la victoire pour Ant-Man. Allez, bon, l'Ariat à travers et la Super qui gagne au grattage. Un round partout. Allez, ça whiff un peu trop, mais il n'y a pas de punition côté Ant-Man. Allez, là pour l'instant, le contrôle du terrain est là. Un bon avant HK. Dommage, pas de 3-6 derrière ce saut HK en hit. C'est dommage, ça c'est des opportunités qu'il faut pas rater contre Guile. Ah, pas de 3-6 à nouveau, dommage. Et là, il a bien attendu le saut Ant-Man pour pouvoir punir avec un flash kick. Bonne main verte en réflexe. Allez, un bon R2R à nouveau. Là, le flash kick qui était là. Dommage, et là c'est quasiment fini. Bien joué. Victoire 1-0 de Ant-Man, c'était pas facile. Tu hésites pas à te prendre un tabouret. Hein. On en a pas en rab. Allez, Black Mane n'a pas été mauvais dans le premier match. Ah dommage, encore un 3-6 raté. Oh, encore un 3-6 raté. Non, non, on peut pas... Rater autant d'occasions contre Guile, le match-up est trop dur. C'est-à-dire que les petites occasions qu'on a, il faut les saisir. Sinon, c'est la mort. Bon Sonic, là, le jeu de Sonic Boom est bien installé. Ça va devenir dur à ce rythme-là, parce que déjà sans ça, Black Mane a perdu. Mais alors si en plus, il s'en prend un bon gros jeu de Sonic Boom dans la gueule, ça va carrément devenir impossible. Là, Ant-Man, il s'est réveillé. Et là, un bas MK aura raison de la barre de vie du Zangief. Et c'est donc la double balle de match pour Ant-Man. Allez, bien joué, saut au moyen pied, suivi de 3-6, bon dégât. Dommage qu'il n'ait pas fait le 3-6 HP, ça aurait fait un peu plus mal. Allez, ça a été à mon avis une tentative de chop sur avant MK, MP je veux dire, mais c'est sans conséquence. Petit avantage Black Mane, ouais bien joué, le 3-6 kick, ça c'était malin, fallait oser. Allez, grosse punition, ah dommage, balayette ça suffit pas, mais le saut moyen pied ou le saut petit pied, je ne sais pas, offre un peu d'espoir à Black Mane avec ce round gagné. Allez, le MK d'entrée qui ne touche pas, c'était pour poker éventuellement un start-up de Sonic Boom. Bien joué, le 3-6 qui passe. Et à nouveau, il met pas le 3-6 HP, c'est dommage. Il maximise pas les dégâts. Allez, bonne anti-air. L'Ant-Man qui installe son jeu de Sonic Boom. Dommage, pas de 3-6 non plus. Ça rate pas mal des deux côtés. Là, il n'y a pas d'anti-air là-dessus, faut en profiter. Allez, par contre, là, la barre de vie, elle a bien fondu. L'Ant-Man qui attend qu'une chose, c'est un saut. Et c'est ce qui est arrivé. Il a anti-air et c'est la victoire d'Ant-Man. On va enchaîner avec Cuse contre Cooney. Ça va être un match de la douleur. Ouais.
le reset, mec. Alors, Kuni contre Qs. Kuni player 1, Qs player 2, c'est ça. Prochain match, ça sera Cesnar contre moi. Ok, c'est bon, il est prévenu. Oh là là, Kuni qui nous sort une griffe du pif couleur Aoba. Et un japonais qui le joue de cette couleur, il le joue même plutôt bien. Piku aussi, je crois, un hipster japonais joue Claude de cette couleur. Et la garde est bonne sur la super. Le petit désavantage est sauvé de Shoryu. Ouais, on joue à 2x ensemble dès que la technique, ça marche ? Ouais. Donc reste dans les parages, ça va pas tarder à péter. Ok, allez, premier round pour Kuni. Ouais, attention maintenant, gros dégâts en perspective. Et bien joué, saut gros point, close HP, Hadoken et un bon BAMP confirmé par Balayette. Premier match pour Kuni assez tranquillement. Le choix de griffe était assez hasardeux quand même. Est-ce qu'il va sortir sa Chun-Li? Est-ce qu'il va sortir son Ryu, son Honda? Oh là, il sort son Feilong, mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Son Feilong expérimental. Mais qu'est-ce que t'espères faire avec un Feilong où tu sais pas faire un chicken wing face au meilleur Ryu français? Donc là en face c'est Kuni, un très très bon joueur, hein, un des favoris du tournoi. Allez, le jeu de Hadoken est bien installé. Antier qui fait double touche sur le chicken wing et c'est donc déjà la double balle de match pour Kuni. Face à ce Feilong de l'à peu près. Allez, bien joué, 3 Reka, ouh, ça fait mal. Hein. Ah là là, le stun était presque là, dommage. Bon début pour Qs. Va-t-il tout remonter? Et gros Shoryu en entière, ça fait mal. La garde est bonne là-dessus. Chop bien déchopé. Ah, le avant HK se prend à Hadoken. Je pense que c'est un chicken wing raté. Fait pas de chicken wing, il attend que ça justement, bien joué. Le MP c'était bien ça. Et la chop. Et non, dommage. Victoire de Kuni, mais il y avait de l'idée là dans ce round, il y avait de l'idée. Donc Cesnar sera player 2. Je vais déjà mettre les noms pour après. Lado Cesnar. Et ben c'est parti. Tekken le gars, c'est celui qui a la moustache en bas, qui joue à Tekken. Ouais, je pense que W rapporté. Bah ouais. On est là. W, il est où? Il joue à 3-3. Rapper, tu joues contre lui après? Je joue contre qui? Ah, 2x. Bonne game alors. Moi, je vais être un peu la GTA. Ok, on est parti. La dose Cesnar. Contre Zargat Chun-Li. Alors oui, il prend son Hulken évidemment, Cesnar, il a raison. Il faut qu'il se concentre, allez c'est parti. Voilà, ça prend un Kikoken. Malheureusement, un gros pied, beau Shoryu qui passe et qui vient remettre les scores à zéro. Kikoken, ah là là, cross-up. Ou fake cross-up, je ne sais pas. Oh là, ce Shoryuken qui vient chercher tellement loin. Ah, il faut punir. Ah, dommage. Il n'y a pas de punition là-dessus. Et chop. Je pense que gros point ou Shoryu peut-être. Je sais pas. Oh, dommage. Ça s'échange des coups en l'air. Voilà, un beau HK. Dommage. C'est un gros Shoryu, à mon avis, involontaire. Allez, mise au sol des deux côtés. Zoning de Zargat. Dommage. Il n'y a pas eu de cross-up trouvé par Cesnar. C'est pas grave. 1-0 pour Zargat. Cesnar peut toujours le faire, il peut toujours le battre. Il a des clés avec son Hulken. Personnage très très fort, Hulken. Hein. Allez, c'est parti. Deuxième match.
Ouais, ça change des boules. Ouais. Zarga t'a pris la première dans la tête. Dommage, ça aurait pu être un Shoryu. Balayette. Plus un MK. Voilà, balayette de la part de Cesnar. Il remet Zarga dans le coin. Voilà, joli zoning avec son Shoryuken. Ah dommage, les HK qui whiff. Oh là 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 là, la boule la super qui est passée à travers la boule. Bien joué de la part de Zargat qui a repris l'ascendant sur ce match. Balle de match pour Zargat. Alors. Ah là là. Zargat commence à mettre un gros zoning dans la. Ouf, le Kikoken qui vient toucher de justesse. Encore une fois. Allez, c'est con, ça va être compliqué, mais c'est faisable. Voilà, une mise au sol avec le Hadoken, pardon. Ah, super. Oh, qui a pas touché aussi loin que ça. Ouais, ça prend le bas gros point. Ah, gros point, tout simplement. Allez, 2-0 pour Zargat. Match suivant. On est parti, alors le match va bientôt commencer. W contre un portugais. Allez, c'est parti. Rap portugais, Clo contre W d'Altim. C'est parti, bon match monsieur. Une drill qui est cassée par Rap portugais. Une mise au sol trouvée par Clo. Allez, ça fait you. Comment ça garde devant, derrière, on sait pas. Est-ce que ça va être imperfect? Ah non, une jolie drill qui est trouvée. Voilà, ça fait. C'est pas combo ça, mais. Dommage. Allez, premier round gagné par Rap portugais. Les drills qui se font casser, hein, c'est assez compliqué pour Dalsim, mais il peut zoner. Il a des clés pour. You, devant, derrière, c'était bien gardé. Ah, air shop. Hein. Ça met dans le coin. Ah, un entière de la part de W. Ouais, ça commence à zoner du côté de Dalsim. Oh là là. C'est scandaleux. C'est scandaleux, on vient de dire. De la part de W. 1-0 pour un portugais. Oh, et counter pick DJ. Très bien. Je sais pas si ce sera efficace ou non, mais on va bien voir. Ah, la shop qui a été trouvée de la part rappeur, mais ça n'a pas été pire. Oh là là. Il faut pas savoir W. Sur ces youhou, une jolie échoppe de la part de Rapper Tuguet. La super qui vient gratter, mais qui ne touche pas. Effectivement, un gros zoning de la part de Rapper Tuguet. Très compliqué de passer certains clos avec certains personnages. Voilà, une chope qui a été trouvée en whiff du dragon de DJ. Encore une fois, voilà, la chope dans le coin.
Non. Le machine gun qui est passé, mais ça suffit pas. Pas en entier. Et c'est la mort. C'est la mort. Voilà, 2-0 pour Rapper Sugay. Là on m'annonce Banshee Bot contre Combo Fate, je crois. Allez, Banshee Bot Blanca contre Combo Fate qui va jouer son Ultagat. Bon match, monsieur. Allez. Allez, belle ouverture. Allez. Voilà, ça y est, ça sort des air-to-air. Bien joué de la part de Combo Fate qui a fait un très bon zoning pour le moment. Voilà le Tiber Uppercut qui vient faire tellement mal. Ah, une glisse a été trouvée par Banshee Bot. Il commence à faire des phases. Il lui a pas bouffé le cerveau. Voilà, Tiber Uppercut qui vient remettre en place ce Blanca un peu tout fou. Ah, la Rolling qui fait mal aussi, mais c'est bon, c'est gagné. Premier round, gagné par la part de Combo Fate. Qui a réussi à trouver des bonnes ouvertures. Ah, une glissade qui vient de toucher Combo Fate. Il y a un gros pressing dans le coin de la part de Banshee Bot qui... Oh, l'électricité en garde, mais c'est bon, c'est passé. Ah, gros avantage à la vie de la part de Blanca, même s'il vient de prendre un Tiger Uppercut qui vient lui enlever une demi-barre avec un Tiger Shot. Ah, Ronan, tu peux le faire. Ah, Tiger Uppercut qui vient pas toucher, il prend Rolling en punition, électricité à la relevée. Allez, troisième round. Oh, ce petit pied, voilà. Combo 3 hits de la part de Banshee Bot. Qui tue pas, ça tue pas derrière un stun. Mais voilà, bon, attends. Ce round a été assez expéditif, mais à cause du 3 hit stun. Là, c'est Zargat. 1-0 pour Banshee Bot. Allez, Combo Fight reste sur son All Sagat. Et il a raison. C'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est bien en rocking. Allez, deuxième match, les gars. C'est parti en reversal, dommage. Ah, il a déjà pris mi-barre hein, dans la tête, ce All Sagat. Donc, ce gros pied. Allez, faut pas qu'il sait savoir. Combo Fate. Ah là 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 là, rolling. Les rolling en punition, c'est violent. Balle de match pour Banshee Bot. Et Tiger Shot. Qui passe pas, mais c'est bien gardé ça de la part de Combo Fate malgré tout. Qui prend une chope multi-hit qui vient lui ronger le cerveau. Oh là là, ça a été puni par ce saut gros point. Tiger Uppercut puni par saut vertical gros point de Blanca, c'est incroyable. Ouais, une très belle chope trouvée par Combo Fate. Oh, il prend super, non. Bien joué les gars. 2-0 pour Banshee Bot. Alors maintenant, Graham Chandor. Je sais pas. Je sais rien du tout. Peut-être de l'autre côté. Allez, c'est parti. Kenono, Honda, Graham Chandor, Ryu. Ah, 1000 mains d'entrée, hein, histoire de montrer un peu de quel bois se chauffe le Honda de Kenono. Allez, avantage à la vie de la part de Kenono. Il a vu les matchs de Shogatsu, il sait comment faire. Voilà, ce gros pied. Le match-up est peut-être un peu compliqué pour Honda, mais il a l'habitude, Kenono. Il se laisse pas avoir. Voilà! Un gros coup de cul pour gagner ce round.
Allez, round 2. Oh, c'est un début de. Un gambit d'ouverture des deux côtés qui a été très particulier. Oh, ça met une pressing avec les mille mains. Et... Allez, un Ocho ? Non, mille mains, voilà. Perfect de la part de Kenono sur ce deuxième round. 1-0 pour Kenono. Ça ne counterpique pas du côté de Graham Chandor, il a raison, il a le match-up. Allez, deuxième match, monsieur. Allez, Doskoï d'entrée, en punition. Voilà, Ochonage, ça met dans le coin. Voilà, stun. Ok, gros pied de hit seulement, close gros pied. Ok, un perfect en entrée de la part de Kenono. Pas grand chose à dire, il n'y avait pas eu de garde de ce côté-là. Ouais, Graham Chandor, il faudrait qu'il arrive à zoner un peu mieux avec les Ado et les Shoryu. Les balayettes aussi également. Allez, avantage à la vie pour Kenono qui trouve un autre Shonage. Ah là là là, ça stun, c'est la mort. 2-0 pour Kenono. Ok, prochain match. Rappeur Tuguet contre Aneman. Donc Rappeur Tuguet normalement va jouer Klo et Aneman devrait jouer. Ah, c'est vrai qu'il joue Gaël ou Woldryu maintenant, on ne sait pas, on va voir quel personnage il va jouer. Donc voilà, Rappeur Tuguet reste sur son Klo. Qu'en est-il d'Aneman? Il prend son Gaël. Aux cheveux ardents. Allez, bon match, monsieur. C'est parti. Une glissade en grande d'ouverture qui est dans la garde. Ça fait Liu pour esquiver. Oh, ça a trouvé des bas moyens points, je suppose. Allez, Sonic Boom qui rentre dans la garde, qui gratte petit à petit. Rappeur Tuguet. Ah, beau flash kick de la part de Aneman. Ah, dommage. Le flash kick, oui. Mais un autre est trouvé derrière. Avantage à la vie pour Aneman, pas grand chose. Oh, il prend super. Flo est un passage très très violent. Allez, deuxième round. Glissade encore, en gambit d'ouverture de la part de Rappeur Tuguet. Qui trouve quelques pocs par-ci par-là. Ça whiff beaucoup. Pas de punition, voilà. Bien. Et boom qui vient de gratter la barre de vie de Rappeur Tuguet petit à petit. Aïe, 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 une chope. La balayette qui nous fait le mal, pas grand choc. Oh, le flash kick balancé comme ça dans le vent. Dommage. 1-0 pour Rappeur Tuguet. Deuxième match, monsieur.